Hey, les gars, à l'heure où je suis en train de vous parler là, hein, au royaume des sorciers, des vautours, des vampires, des alamiboums là, Lucifer est assis, hein, sur son trône avec les pieds croisés comme ça là. Comme ça. Lui-même, il guette comme ça là. Il regarde ses enfants qu'il a envoyés au Cameroun faire le mal. Il se pose la question, les gars, s'il les avait demandé d'utiliser 2 comprimés, certainement ils ont augmenté la dose. Ça doit être 4 maintenant que les gars l'ont exagéré. Yeah. Vraiment, je suis étonné. Yeah. Venez, oh, venez. Wow, venez. Venez. Il se pose lui-même la question que merde, c'est le 237 que j'ai envoyé mes éléments. Ça, c'est déjà l'enfant qui dépasse, l'élève qui dépasse son enseignant. Vraiment, c'est malheureux. Nous sommes en larmes. Ça nous dépasse. Parce que le degré de mal que les gars font déjà ici au 237, nous-mêmes, on se pose la question que, hey, vous prenez ce genre de courage où la femme-ci que vous voyez là, elle découpe une autre femme comme elle. Elle met dans, elle range dans la valise. Hey! C'est pas vrai. L'histoire, c'est quoi? Elle est ancrée dans une réunion dans le village de son mari. Elle a prêté de l'argent jusqu'à 4 millions. Maman, tu fais quel genre de business? On te demande le business que tu fais. Tu ne parviens même pas à dire, tu fais ton petit commerce. Tu prêtes 4 millions pour faire quoi avec? J'étais dans une réunion dans mon village. Le village de mon mari, quoi. C'est où? Et le voit Tindy. Non, je dois de l'argent après de 4 millions. Il y a près de 4 ans que je suis endetté. Et donc, je. J'ai contacté un monsieur là, à Facebook. J'ai trop de problèmes, je me dépasse plus 4 ans. Je fais un petit commerce, mais ça ne doit pas grand-chose pour que je puisse rembourser mes dettes. Ce sont mes dettes. Donc il m'a dit que dès que je fais ça, je vais n'importe quel cimetière, je dépose le corps, je filme, je l'envoie. God, why now? La maman que vous voyez là, elle vit ici à Obili, donc dans un quartier ici à Yaoundé. Donc elle a prêté 4 millions. Elle ne parvient pas à rembourser. Comme l'Android est venu, Facebook est venu, pour tout le monde, même pour les sorciers. Elle est sur Facebook, tchoc, 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 tchoc. Elle tombe sur un alami, boum, comme elle. Elle commence donc à poser son problème. Oh, comme tu vois là, j'ai prêté l'argent, je ne parviens pas à rembourser à la réunion. Le gars lui dit, ok, je peux t'aider à rembourser tes dettes. À la seule condition, si tu acceptes de faire ce que tu demandes, que je suis prête. Voilà, prends quelqu'un, découpe, mets dans, et tu pars déposer dans un cimetière. Tu filmes, tu envoies, on t'envoie ton argent. Hey! L'engamant tient son coup, elle respire, elle a frappé la bouteille sur la tête, elle s'est évanouie, machin, tout était préparé pour la machette. Tcha-tcha, elle seule! Qui découpe tout le coup, il range dans la valise. C'est moi, il était seul. Hey! Hein? Cassé, elle a tapé la bouteille sur sa tête, elle est tombée. Donc j'ai pris le début de la verre de la bouteille là, elle s'appelait égorger. Elle seule dans la chambre. Maman mi. Hein? Hey! On a même pas encore fini avec l'affaire de Balmayo. Nous sommes encore sur ce. Donc, c'est-à-dire que les gars, attendez même souvent, même 2 jours que le buzz, l'autre buzz baisse un peu avant que vous veniez avec l'autre. Maman, on était habitué que les buzz, que les go, que oh, je pleure mon mari, je pleure mon gars, je pleure mon show. Maintenant, c'est plutôt que les tueries, mon frère. Je m'interroge. Hey! Les Camerounais, que Dieu vous garde. Hein? Tu prends un être humain comme toi. Tu n'as pas les enfants. Voilà les mamans que nous sommes en train de les demander de conseiller leurs enfants. Qui viennent plutôt nous montrer le célélé, yo yélélé. Maintenant, ce sont les enfants qui vont conseiller les parents, ou bien on va continuer à demander aux parents de, avec ce genre de comportement. Hey! Que ça, c'est quoi? Maman, t'as pas de cœur. Hey, mon frère, les femmes, hein? T'as pas de cœur là. C'est quoi? C'est les cailloux là-bas. Hein? Tu découpes quelqu'un, tu mets dans la valise pour 4 millions pour tes dettes. Hey, maman. Après qu'on lance les formations, vous dites que vous voulez la vie facile. Or, il y a une très belle formation actuellement, c'est là qu'on a lancée. Et c'est en présentiel, en même temps en ligne.
Écoutez bien ceci. Voilà, je voulais juste vous rappeler que le centre de formation SMSSC lance une formation certifiante, je dis bien certifiante, sur les modules comme Word, Excel, PowerPoint, allant du 3 au 11 septembre 2022. Ne ratez pas cette occasion. Appelez rapidement le numéro qui s'affiche au bas de cet écran. Aujourd'hui, on ne souffre plus trop pour se faire former. Regardez bien les détails sur chaque module. Appelez rapidement pour vous faire former, les gars. La formation se passe en ligne et en présentiel. Donc, étant chez toi, on peut te former. Ok. Vous avez compris, non? Laissez les histoires que vous voulez la vie facile là. Et tout ça, c'est le rêve qu'on vous vend sur les réseaux sociaux. Arrêtez ça. Formez-vous. Cherchez à faire un métier. Mais oui, c'est clair. En passant, l'histoire de Balmayo. J'étais à Balmayo aujourd'hui et j'étais avec le responsable de la belle famille de la mariée, dont la vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube. Allez rapidement comprendre les réalités. Arrêtez les ragots, machin, tout patati patata là. La vérité est désormais là sur ma chaîne YouTube, Franco le Mignon. Ok. Bye bye. C'était tout pour l'info Japap 237. À demain pour un nouveau buzz. Sinon, hein, même Lucifer vous donne déjà le respect. Vous êtes trop fort. Maman, Dieu n'existe plus. S'abonnez-vous. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.